Il y a eu deux axes principaux. Le premier, c'était une exposition dédiée aux femmes portugaises avec des portraits, leurs histoires, des très très belles photos en noir et blanc. Et la seconde, c'était avec les enfants de l'unité d'accueil pour écoliers. On a dit, demandez à vos mamans, à vos grands-mamans de raconter leurs histoires, leurs contes et de partager avec nous leurs recettes. On a créé ce livre pour la semaine contre le racisme en collaboration avec les enfants et les parents du Cèdre Magique. Tout le monde a donné sa propre recette qui leur faisait plaisir, qu'ils aimaient. C'est comme ça qu'on est parti à construire le livre avec d'abord les recettes des enfants et ensuite les parents ont joué le jeu en amenant leurs propres recettes et des contes de leur origine. J'adore la cuisine et puis en plus là, comme il s'agit de cuisine du monde et tout ça, bah, c'est hyper intéressant de découvrir toutes ces cultures. C'était un bon moment d'échange avec les enfants et puis on a pu partager vraiment un chouette moment avec eux pour la construction de ces recettes. Les personnes d'ailleurs qui habitent ici, ce sont les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Tamouls, les Brésiliens, ce sont peut-être les gens qui viennent aussi d'une autre région de la Suisse. Je suis membre de CISAN, plus je suis le président de l'association Tamoul de Nyon. Cette année, ça fait 10 ans en équipe. Et puis toujours on est participé, on est content, avec plaisir, avec Ville de Nyon. Nous-mêmes, étrangers à la base, quand j'entends mon père qui m'explique comment il est arrivé en Suisse et qu'il a vraiment eu des difficultés à s'intégrer, moi je veux que ceux qui viennent désormais à Nyon, ils puissent avoir une plus grande facilité à s'intégrer et à simplement pouvoir vivre d'une manière, avoir une transition plus naturelle pour habiter ici. J'ai une culture qui est très forte et de l'autre côté je suis née ici, donc j'ai dû toujours trouver une balance. Mais qui me convient vraiment parfaitement bien. J'ai la chance d'avoir des équipes incroyables au niveau des unités d'accueil qui toute l'année travaillent sur cette thématique parce que les enfants sont mélangés. Dans une unité d'accueil, les enfants viennent de partout. Donc eux, ils sont extrêmement réceptifs et c'est quelque chose qui ramène à la maison. Donc c'est génial. Le monde écrit, car dans la nuit, tout s'efface. Même partageons avec d'autres idées, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres couleurs. Oh, c'est vraiment un régal. Oui.